Voilà, donc c'est pourquoi Oui, ce truc-là. souple. C'est pourquoi? C'était pour le blocage. C'était pour le blocage, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez fait avec ça, avec la sorcellerie? On a mis tous les biens dedans. Quel bien de qui? De ma famille. De ta famille. Comment vous êtes arrangé pour mettre ça dedans? On a parlé dessus. Vous avez parlé dessus, et vous avez fait quoi? Vous avez fermé. C'est si ça? Faut montrer comment vous faites. C'est bien fermé. Vous avez fermé, donc ça dit que tout est bloqué. Donc quand vous parlez, vous fermez ça. C'est pour toute la famille, c'est ça? Vous parlez, c'est ça? Vous fermez. Et vous allez juste dans la cour ici. Ça dit que les gens de la cour ne doivent pas avoir reçu. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et toi, tu savais ça? Oui. C'est ça? Donc nous avons localisé, c'est ça, j'ai dit le ministère prophétique. C'est un combat, la dernière fois que je suis venu, je n'ai pas pu affranchir ici, j'étais adressé à Bangou. Et puis je suis parti, j'ai fait ma tournée, et j'ai dit cette année, il faut que ça soit la fin. Voilà, cette année, donc nous avons beaucoup prié. Après la rencontre d'hier soir, je suis rentré dans mon hôtel, je ne pouvais pas, parce qu'hier même, là, c'était comme les fémunements dans mon corps, les attaques mystiques, je suis rentré, j'ai prié. Quand je vais rentrer, je vais commencer à dormir, parce que je voulais me réveiller une heure, à 1 h du matin, et puis paf, j'ai eu des attaques, à minuit, j'ai commencé la prière. Je me suis réveillé à 4, j'ai fini à 4 heures rapidement. Il faut que ça. Parce que c'est mobile, au fait. Ça bouge. Et voilà, ça bouge. Donc, quand je suis dans la cour, c'est un peu le don que j'ai reçu de la part du Seigneur. Voilà, donc tu savais ça et pourquoi tu n'as pas dit aux gens? Voilà. Nous avons localisé ça ici, c'est ce que nous avons fait pour détruire. C'était là. Regarde ça. Voilà, une action très forte. Et puis, reprends ton petit. Voilà. Voilà, donc ça c'est dans ma lame. On va essayer de voir ce qui est dedans. Le cardinal, déjà on le sait. Ça. Jésus. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Si vous regardez. S'il vous plaît, laissez. Nous faire le travail. Ça, si un pasteur plaisantin vient, ça le tue. Bon, laisse ton cadenas bizarre là. Jette ça. Vous prenez tous vos soucis, c'est de tuer les gens. Tous vos soucis, c'est de bloquer la vie des gens. Tous vos soucis. C'est de bloquer. Bon, je débloque maintenant la vie de tous ceux-là au nom de Jésus. Amen. Voilà, je débloque votre vie. Elle a fait l'amour. Elle connaît, elle a plus fait l'amour. C'est la tête du chat. Quoi? Voilà. Tiens, faut, combien il faut couper? C'est la tête d'un chat. Seigneur. C'est ça. C'est toi qu'on vous loue pas là. Non, mais elle va mourir maintenant. Papa va prendre la délivrance. J'attends de faire une vidéo. Ça va entendre. Non, il est là pour délivrer, on ne tue pas les gens. Quelle que soit la méchanceté, nous avons Dieu dans notre vie, c'est de rapporter la vie. Seigneur. T'as dit Charles, il loupe jamais. Vous savez pourquoi le rouge, le diable aime beaucoup toujours le rouge? Non. Parce que ça n'appartient pas le rouge. Le rouge, c'est le symbole de vie. C'est la vie. La couleur rouge, c'est la vie. C'est ça que le diable. Oui, c'est ça. Le chat, là, c'est pourquoi? Le chat. Pourquoi vous utilisez la tête du chat? Parce que le chat, il est gris. Il fait quoi? C'est tout? Il est méchant.
Il est méchant, donc vous voulez être méchant. Le chat, il ne loue pas sa cible. Voilà, donc voici un peu. Donc c'est tout ça que vous avez fait dans la cour. Oui. Oui, parce qu'il y a la pratique de la sorcellerie en tant que telle, et puis il y a les outils de la sorcellerie, c'est ça, les fétiches de la sorcellerie. Si vous épinglez un sorcier, il faut que ce qu'il a fait de ses arsenaux de sorcellerie soit détruit aussi, sinon la famille reste encore captive des mouvements de la sorcellerie. C'est pour ça que pour approfondir la délivrance, il faut que ce soit approfondi. Certes, le sorcier fait des aveux, mais où ils l'ont mis? C'est ça qui est vraiment très important, c'est pour ça qu'ils demandent aux gens d'approfondir leurs connaissances en matière de délivrance. En matière de délivrance. On va donc aller plus loin en matière de délivrance parce que Jésus a dit, quand Lazare était mort, où l'avez-vous mis? C'est ce qui intéressait Jésus. Lazare est mort, mais où l'avez-vous mis? C'est vrai que les gens sont ensorcelés, ils sont victimes de la sorcellerie. Rien n'est mal dans leur vie, mais où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? C'est ce qui intéresse le Seigneur. C'est là où on a mis les gens qui intéressent. Ce matin, un cadenas mystique, et vous savez, le symbole d'un cadenas, vous savez ce que ça veut dire? Le symbole d'un cadenas, ça veut dire que vous parlez comment? Vous parlez? Oui, on parle. Hein? Comment vous faites? Il y a la clé, maintenant. On parle ici, et puis on bloque. Hein, vous parlez pour bloquer, et puis personne doit reçu. Toute la famille. Toute la famille. Oui. Vous dites le nom des gens? Oui. Vous parlez? Oui. On dit le nom des gens, et puis on bloque. Vous faites quoi? On dit le nom des gens, et puis on bloque. Et puis toi, tu es enceinte. Tu connais, tu sais que la vie là, c'est bon. Hein? Tu sais que la vie est bon, puis vous bloquez la vie des gens. Donc vous parlez, puis vous bloquez les gens. Oui. Comment? On parle, et puis on tape. Vous tapez. Oui. Pourquoi? Quand vous tapez là, c'est pourquoi? Pour que les gens soient bénis ou pour qu'ils soient. Pour que les gens soient bloqués. Bloqués, pourquoi? Donc quand ils sont bloqués, vous êtes contents? Et c'est ça que la famille vit. Tout le monde est bloqué. C'est ça. Et le chat, c'est pour attaquer les gens. Comme je vous ai dit, il y a une fin en toutes choses. Il y a une fin en toutes choses. C'est pour cela qu'il faut persévérer dans la prière. Comme je disais dans mon message hier, Bartimée savait qu'un jour Dieu allait mettre fin à sa situation. C'est vrai qu'il était mendiant, mais il n'acceptait pas cette nouvelle profession que le diable lui a imposée. Il y a une mendicité spirituelle. Souvent, vous êtes là, vous mendiez. Vous êtes en train de vivre une autre vie que vous ne désirez pas vivre. Or, la sorcellerie, vous mettez, comprenez bien, le cadenas mystique, on met des gens dedans et on bloque leur vie. On bloque leur vie. Le chat, vous savez que le chat ne nous passe assis. Donc, voici les pouvoirs mystiques que la sorcellerie utilise. C'est vrai qu'ils s'envolent, ils mangent, arrêtent, mais ils ont toujours un pouvoir mystique. Et tant que tout ça n'est pas détruit, c'est ça que nous n'arrêtons pas sur le stade. Ah, ils nous ont bloqué, les gens, il y a quelque chose qui est enterré. Si quelque chose est enterré, nous, on vient d'enterrer. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça te fait de voir ta famille souffrir? Ça te fait quoi? Et quand tu es enceinte, tu sais dormir l'homme dans le lit, tu sais, tu connais tout, tu connais, tu aimes la vie. Bon, les gens sont bloqués. Toi, ça te fait quoi? Et les gens sont en train de mourir au sein de la famille. Toi, ça te fait quoi? Non, je te demande. Et réponds. C'est une question qui a été posée. Ça ne fait rien. Mais oui, mais ça ne fait rien. C'est des gens, ils font plaisir à vos souffrances. Elle doit être heureuse. Mais oui, elle dit ça ne fait rien. Elle dit qu'elle, quand vous souffrez, voilà, quand vous souffrez, ça ne lui dit absolument rien. Puisqu'elle sait, elle sait d'où vient la souffrance. C'est ça? Et tu veux voir les gens souffrir. Hein? Tu veux voir les gens, mais quand les gens souffrent. Hein? Mais quand tu vois la vie des gens dans le cadenas, là, c'est pour que les gens dansent ou bien quoi. Tu es convaincu que tu es en train de bloquer la vie. C'est ça? Oui. Est-ce que tu comprends le principe? Tu as compris. Quand tu bloques là, tu ne parles pas, puis tu dis, tel n'a qu'à te bloquer, tel n'a qu'à te bloquer là. C'est pour qu'il soit heureux ou même malheureux. Hein? Hein? Il faut qu'ils soient malheureux. Et puis toi, ça te fait plaisir. Je te demande. Puisque tu sais que tu es la base de leurs problèmes. Tu sais. C'est à toi, ils demandent. Tu savais que c'est eux qui t'ont fait ça. Et donc, tu es content quand les gens sont dans les difficultés. Et il y en a beaucoup comme ça dans beaucoup de familles. Ici, elle est basse. Il y en a beaucoup comme ça dans beaucoup de familles.
Dans beaucoup de familles, il y en a beaucoup. J'ai dit, il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Et tu es content quand la famille, les gens sont... Tu es content. Ça te fait plaisir. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'ils disent? Depuis quand? Bah, c'est depuis quand vous faites ça? Ça a duré. Et c'est dans la cour, tu sais que c'est mobile, tu sais, et puis tout le monde est bloqué. Je prie que la puissance de Dieu vienne libérer tous ceux qui ont été mis dans le cadenas, dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis ce pouvoir à jamais. Je proclame la puissance, la délivrance de cette famille ce matin, qui est l'aurore. Je délivre cette famille par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Tu vois, même tu vas parler pour dire, il faut dire ce que tu as fait, mais puis il faut libérer les gens. Il faut parler. C'est tout ce que j'ai fait. Tu as fait quoi? Tout ce qui est bloqué dans leur vie. Dans la vie de qui? Dans la vie de ma famille, de tous les membres de ma famille soient débloqués. Comment? Tu as bloqué qui et qui? J'ai bloqué tout le monde. Tu as bloqué tout le monde. Mm-hmm. Pourquoi? Tu as fait comment? En parlant, fermer le cadenas. En parlant, fermer le cadenas. Donc, tu es sorcière. Tu es sorcière. Oui. Hein? Oui. Tu es sorcière. Tu as tué combien? Beaucoup. Beaucoup de personnes. Mm-hmm. Beaucoup de personnes. Mm-hmm. Et puis, tu bloques la vie des gens.